Pourquoi Les Africains excellent peu en Occident. Malheureusement, l'image qui est associée aux Noirs dans le monde occidental est bien souvent négative et ce ne sont pas les dernières émeutes en France qui vont venir contredire ce que l'on peut qualifier malheureusement de cliché. Aujourd'hui, pour en parler, je suis dans cette émission avec Alain Patrice Singaleu, qui est un jeune entrepreneur que je connais personnellement depuis très longtemps, qui est très talentueux et aujourd'hui qui est à la tête d'une entreprise avec son associé qui fait pratiquement 14 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui, 14 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022, en espérant bien évidemment que 2023 apportera encore plus d'argent. Et avec lui, je veux que l'on parle de son parcours, comment il a fait pour y arriver, mais surtout pourquoi les autres n'y arrivent pas. Pourquoi est-ce que les Africains qui sont généralement en Occident n'aspirent pas à l'excellence Et quel est donc le chemin de l'excellence Par quoi est-il passé pour devenir l'homme qu'il est aujourd'hui Et comment est-ce que son parcours peut inspirer d'autres personnes. C'est un échange à bâtons rompus avec un ami. On se dit très clairement les choses, sans aucun tabou. Et je pense que c'est une discussion qui va faire réfléchir plus d'un et qui, j'espère, va interpeller les uns et les autres parce qu'il va citer des choses qui sont au cœur des problématiques que nous vivons dans notre communauté. Si vous aussi, vous voulez donc réussir, c'est absolument la vidéo que vous devez regarder et partager massivement à vos frères, vos sœurs, vos oncles, vos tantes, bref, à tous ceux à qui vous souhaitez un minimum de réussite. Let's go Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle de business, de mindset, de gestion des finances parce que c'est avec tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Dans un peu plus de trois mois, va se tenir à Paris l'événement que tu ne veux absolument pas manquer. Afrique et Diaspora, Back to Africa, deuxième édition. Il est question d'un forum dédié au retour en Afrique pendant lequel j'invite une série d'entrepreneurs pour venir parler avec toi de comment faire pour se lancer en Afrique. Quels sont les meilleurs secteurs, comment on trouve le financement, comment on réussit sur place, quels pièges on évite et comment derrière on bâtit une machine puissante qui va grandir avec les années. Tu ne veux pas rater cet événement parce que clairement l'Afrique est la destination vers laquelle tout le monde se tourne aujourd'hui. Et malheureusement, ce que je constate, c'est que la diaspora traîne un peu le pas. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il est plus que temps de rejoindre cette belle aventure. Et pour en parler cette année, je vais être accompagné d'invités très prestigieux. Je suis donc très heureux de compter parmi nos convives cette année Jean-Louis Billon de la Côte d'Ivoire, Stanislas Zézé, Rebecca Hénonchon qu'on ne présente plus, Bertin Tchofo, Jean-Philippe Tagne, Nelly Chatué, Bambalo, Moulaï Tabouré, mais aussi. Oussamaama et bien d'autres noms très intéressants que vous allez découvrir très prochainement. Les places sont disponibles sur notre site afrique-diaspora.com en promotion, les amis. C'est maintenant que vous pouvez encore bénéficier de tarifs promotionnels parce que chaque semaine qui passe, le prix augmente. Allez donc très rapidement prendre vos places. D'ailleurs, pendant cet événement-là, nous allons avoir aussi Duplex Camgang qui lui a créé Studeli. Et Studeli n'est rien d'autre que le premier service financier qui accompagne la mobilité des étudiants vers la France. Ça veut dire que si vous avez un frère, une soeur, une tante, un oncle, un ami, un voisin qui a pour projet de venir étudier en France, Studeli est l'entreprise qui va l'aider à pouvoir avoir un dossier conforme auprès de l'ambassade de France. Parce que quand vous voulez voyager, on vous demande une caution bancaire, un document qui permet d'établir le fait que financièrement vous serez à mesure de vous prendre en charge une fois arrivé sur le territoire français. CDI vous met à disposition donc une attestation de virement irrévocable qui va vous permettre simplement de pouvoir obtenir votre visa. Mais ils vont beaucoup plus loin en réalité dans l'accompagnement. Et ça, c'est inédit. Pour obtenir un visa, on vous demande un logement. Ce qui est drôle, c'est comment vous faites pour avoir un logement depuis l'Afrique et eh bien, StudyLi à penser. Ils vous permettent de pouvoir aussi trouver un logement, autre élément constitutif de votre dossier. Je sais tous ces éléments parce que je suis bien évidemment passé par là. Et croyez-moi, c'est galère quand vous êtes à Bamako, à Abidjan, à Douala, à Yaoundé, et que vous devez trouver un appartement dans une ville en France pour vos études. Comment vous faites ça C'est super compliqué. Eh bien, avoir un partenaire qui vous permet de le faire, c'est juste génial. Et pour couronner le tout, désormais, ils ont créé un moyen de paiement. Qui vous permet depuis l'Afrique de faire vos procédures en France. Ça veut dire que vous pouvez payer votre chambre étudiante depuis l'Afrique grâce à un compte bancaire dont vous disposez de la carte bleue dans votre pays. Ça, bien évidemment, on peut juste se réjouir du fait que Studely est pensé à une solution clé en main pour répondre aux besoins des étudiants qui veulent venir en mobilité en France. Donc, pour pouvoir bénéficier de tout ceci, vous allez sur leur site. Vous avez tous les éléments qui s'affichent en ce moment. Ou dans la barre de description. Je ne vous en dis pas plus. Allons retrouver Alain. Let's go. Bonjour Alain. Bonjour. Salut Ma Philippe. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir pour parler avec nous de business et notamment de réussite en Occident. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore euh, Donc, euh, je m'appelle Alain Patrice Galleux. Euh, je suis euh, pasteur. Donc, c'est pas commun euh, un pasteur qui parle de finances. Je suis pasteur également. Je suis euh, dirigeant de plusieurs entreprises, au total cinq entreprises, euh, donc une entreprise de conseil euh, auprès des institutions financières, les banques, les assurances. Et aujourd'hui, la société que je dirige, basée à La Défense à Paris, en 2022, a fait plus de 13 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc à peu près 14 millions d'euros de chiffre d'affaires. Également, je suis propriétaire d'une société qui prend des participations dans d'autres sociétés. Euh, donc à, à travers cette société on a l'occasion de rencontrer voilà, plusieurs promoteurs, plusieurs entrepreneurs et également je suis société, je suis propriétaire d'une société immobilière et à travers cette société voilà, on a plusieurs biens dans l'immobilier que ce soit en France, en Belgique ou au Cameroun donc voilà en gros, de manière euh, grossée, ma présentation. Pasteur millionnaire. <laughs> c'est antinomique, enfin, on pourrait se dire. Euh, Alain, merci beaucoup d'avoir toi-même commencé par euh, parler un tout petit peu de, de tes activités euh, business. Euh, ce qui est intéressant, Alain, c'est qu'on se connaît depuis beaucoup d'années. Quand on s'est connus, on était étudiant. Oui. Euh, donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'années, le temps passe vite. Euh, et euh, on a beaucoup de camarades qui ont fait de très bonnes écoles en France. Et je pense que nos parcours ont fait qu'on rencontre énormément de personnes. Et ce qui est intéressant euh, dans nos parcours, et je veux en parler avec toi, c'est euh, le, le, les éléments qui justifient le faible taux de réussite de la diaspora en Occident. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de réussite, il faut qu'on soit clair. Oui. Mais je dis, en proportion, il n'y en a peut-être pas tant que ça. Qu'est-ce que toi, tu constates moi, je constate pareil. En tout cas, je connais très peu qui ont vraiment réussi. Je connais très très peu. Donc, je partage ton ton, ta, ton constat. Alors, s'il fallait donc se demander pourquoi, qu'est-ce qui justifie que les Africains, qui sont pourtant brillants, pas moins intelligents que les autres, oui. ne réussissent pas ici euh, je, je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais bon, déjà, il, il faut reconnaître qu'on est dans un milieu, on va dire euh, hostile. Bon, un milieu hostile, c'est un milieu qui euh, qui euh, se comporte en ennemi. Donc, qui est plus difficile, plus compliqué. Donc, je pense qu'il y a des barrières qui sont liées euh, finalement à nos origines. Voilà, parce que euh, mine de rien, on finit toujours quelque part par nous rappeler qu'on n'est pas, <laughs> qu pas français ou, ou belge, etc. Donc, on a, on a euh, cette difficulté euh, et tout cela qui a entraîné euh, justement auprès de la communauté une manière de penser qui finalement a constitué le véritable blocage. Et moi, je faisais partie du lot de ceux qui, euh, euh, dès qu'on a fini les études, moi, mon ambition, c'était de rentrer parce que je me disais, puisque j'ai toujours été porté par le désir d'apporter de, de la valeur aux gens, de réussir. Et euh, je m'étais dit, c'est en Afrique que je peux réussir, pas ici. Ah, donc, je, je partageais et j'avais le même problème que, que plusieurs Africains. Et j'en parle souvent parce que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais bien évidemment, je promeux le retour en Afrique. Je euh, promeux ouais. le fait d'aller faire du business en Afrique. Mais la vérité, c'est que quand on se pose vraiment la question, à titre personnel, je pense que beaucoup veulent rentrer, être chef d'entreprise en Afrique, parce que dans leur esprit, c'est là-bas que c'est possible. Ah oui. Parce que dans leur esprit, c'est là-bas que c'est accessible. C'est peut-être pas facile, mais là-bas, ils se voient être chef d'entreprise. Est-ce que, est que ce n'est pas aussi quelque part un complexe d'infériorité Parce que tu te dis, mine de rien, tu ne te vois pas diriger des blancs. Je pense que c'est un peu des deux. Euh, ça peut être dans certains cas un complexe euh, d'infériorité, mais dans d'autres cas, c'est une réalité constatée. Et, euh, et, et souvent, quand on n'a pas de modèle, on n'arrive on pas à arriver. Et donc, peu d'Africains rêvent de réussir ici parce qu'ils n'ont pas de modèle. Euh, nous, à notre époque, en tout cas, euh, quand je voulais me lancer dans les affaires en Europe, je n'avais pas de modèle d'Africains qui ont connu du succès. Il y en a certainement, mais qui ne sont pas connus. Ça veut dire qu'il y en a très peu. Et, euh, et donc, je pense que c'est un peu des deux. Je suis d'accord avec toi, hein. il, y a, il y a certainement un peu des de deux là-dedans. Et, et ce que je vois aussi, c'est que euh, les personnes qui, euh, qui ont réussi ici, bien souvent, ce sont des personnes qui ne sont pas très présentes, ou du moins qui ne sont pas trop dans l'univers africain. C'est-à-dire ouais. que ça va être des gens qui sont ultra, ultra intégrés. <laughs> C'est-à-dire ouais. que dans la manière même de, de, de concevoir les choses, euh, tu, tu sens bien que... Il est africain, c'est vrai. Parfois, il ne rejette même pas ses origines, mais c'est juste que bon, pour lui, ça ne signifie pas plus que ça. C'est-à-dire que euh, il est dans un environnement dans lequel il doit travailler pour réussir et il adopte les codes de cet endroit-là. Est-ce que c'est pas aussi ça parfois qui, qui bloque C'est-à-dire que le fait que les Africains restent tellement entre eux qu'ils ne comprennent finalement jamais les codes de la société dans laquelle ils vivent. Oui. Euh, je pense que... Parce que la réussite, c'est beaucoup de codes. Euh, oui, effectivement. Euh, J'ai remarqué, et puis la réflexion que je me faisais, c'est de réaliser que les Africains, pour la plupart, à l'école, on était techniquement parmi les, les meilleurs. Ouais. Et euh, en entreprise, techniquement, euh, les Africains sont brillants, mais dès qu'il faut monter, il y a peu qui montent. Et, euh, et donc, ça ne s'explique pas uniquement par le milieu dans lequel on est, mais je pense qu'on a une part de responsabilité. Et donc, euh, l'une des, des raisons, l'une des choses à changer, c'est le fait de pouvoir véritablement s'intégrer, c'est-à-dire adopter certains codes sans renier finalement ce qu'on est. Et, et, et moi, l'autre point euh, qui, qui peut-être explique ça également, c'est peut-être la mentalité. Je trouve que peu, peu d'entre nous, en tout cas de ceux que je connais, euh, Peut avoir une mentalité de conquérant. cest une mentalité qui ne se limite pas à, à ce qu'elle voit. À ce qu'elle voit, qui ose rêver grand, qui ose croire que c'est possible, qui ose ne s'imposer aucune limite et, et, et réaliser que quel que soit le lieu où je suis, je peux également réussir. Et cette mentalité de conquérante, euh, conquérant fait défaut, je crois, à plusieurs. Et, et, et donc, euh, généralement, beaucoup d'Africains que je rencontre, quand ils veulent, quand ils parlent d'entrepreneuriat, c'est soit entreprendre en Europe pour les Afros ou entreprendre en Afrique. Mais, peu, mais peu entreprennent en Europe pour impacter l'Europe et, euh, et, et puis avoir à la fois des Européens, qui, euh, des Européens d'origine, qui, euh, qui sont soit clients, soit salariés. Mais c'est toujours une vision. Euh, très euh, communautaire. Ouais, oui, si j'ouvre un, un restaurant, il faut que ce soit un restaurant africain. africain. Et encore, un restaurant africain pour les Africains. Parce que pour si les... tu veux faire un restaurant africain pour tout le monde, oui. ce n'est pas les mêmes codes non plus. Oui. Oui. Effectivement. Donc je pense que c'est pour moi euh, le premier point qui. Euh, Mais euh, que, qui... Que tu as dit tout à l'heure que c'était constaté. Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on peut se sentir parfois rejeté et on se dit, ils ne vont pas m'aimer. S'ils ne m'aiment pas, ils vont pas aimer mes produits. Oui. Euh, je, je pense qu'il y, y, y a de ça, mais la mentalité de conquérant permet de dépasser en fait tous ces blocages-là. C'est vraiment, je me dis, un, un conquérant, c'est quelqu'un qui va dans une terre hostile et se dit Je peux l'apprendre. Voilà, et je pense qu'il n'y a pas de gloire à réussir sans combat. Et je pense que ce qui fait vraiment les champions ou ce qui euh, permet d'apprécier un succès, c'est le niveau d'opposition que nous avons eu. Et donc ça, c'est la manière de penser d'un concurrent qui se dit, même si c'est difficile, je crois que c'est possible. Et moi, à un moment, il a dû avoir ce shift-là. Le shift de me dire que je n'ai pas besoin de, re de rentrer en Afrique pour réussir. Je peux réussir ici en, 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 en adressant les besoins euh, des personnes, même, même pas forcément des particuliers, on parle de société. Et donc c'est encore plus compliqué, euh, mais je me suis dit je peux réussir. Et, euh, et donc je pense que ça effectivement c'est une des clés en tout cas que moi je conseille. À quel moment tu as, à quel moment tu as fait ce, ce, ce switch dans ton, dans ton mindset Parce qu'au final, comme beaucoup d'Africains, tu as commencé comme consultant. C'est le métier oui. qui brasse. Je pense beaucoup beaucoup de, de beaucoup il y a beaucoup de consultants euh, et euh, de consultants, tu as fait le pas d'après qui ouais. est devenir indépendant. Et là aussi, beaucoup d'Africains ne font pas. Oui. Et à quel moment tu as le switch dans ta tête, tu te dis, on peut aller plus loin et peut-être commencer à, à engranger euh... Euh, je, je vais dire, euh, ce n'est pas un switch qui s'est produit. Je ne veux pas dire qu'un jour, tu sais, soir, je peux, peux embellir <laughs> l'histoire, un jour, j'étais dans ma chambre. <laughs> <J 'ai rire> Il est clair. Non, je pense que ça a été progressif. Parce que euh, je suis passé déjà... Deux, euh, une fois que j'étais consultant, je me suis dit, euh, je peux être indépendant. Et en étant indépendant, euh, il y a un risque que je prends, mais là, encadré, alors je peux me lancer. Euh, une fois que j'avais passé ce cap-là, euh, je me suis dit, OK, j'ai suffisamment, puisque ça me permettait d'avoir des revenus plus importants, euh, qui m'ont permis d'investir ici en Afrique. Et après, pendant que j'étais indépendant, je me suis dit, il faut que je rentre en Afrique, parce que c'est où, effectivement, je peux réussir. J'ai lancé ma première structure en Afrique. Et là, je me suis rendu compte que c'est même très compliqué l'Afrique, surtout quand on de fait euh, depuis, euh, depuis l'Europe. Et donc là, c'était le premier flop. Voilà, premier flop, je n'ai pas lancé, je me suis associé à quelqu'un. Et donc là, j'ai perdu 50 000 euros. Et là, je me suis dit, ben là, je peux pas. Euh, j'avais l'ambition de rentrer à très court terme en Afrique. Donc là, je me suis dit, bon, on se calme. Il faut encore travailler un peu plus longtemps. Et euh, déjà pour rembourser la dette que j'avais. Ah, tu et, avais pris une dette pour te lancer. Oui, j'avais pris bon, une grosse erreur, hein. mais ouais. bon à, à l'époque oui, on apprend. Ouais. <laughs> on apprend. Du coup j'avais pris. mais ça prouve que tu y croyais à fond. J'y croyais à fond et j'avais pris donc un, un, un crédit auprès de la banque et euh, et donc il fallait que je reste en Europe et donc c'est ce qui m'a amené à rester en Europe et en restant en Europe euh, vu que j'étais indépendant je me suis dit mais pourquoi est-ce que euh, je n'essaye pas de positionner des personnes à travers d'autres sociétés, donc des sociétés déjà existantes qui sont référencées. Tout à fait, ça se fait. Euh, à, ça oui. se fait oui, et donc, je positionne... Apporteur d'affaires. Apporteur d'affaires. Et comme ça, ça me donne quand même euh, voilà, un peu plus de revenus, ça me permet de rembourser plus rapidement et, euh, et ça me permettra également de pouvoir faire autre chose. Et donc, comme ça, euh, l'idée a commencé à jamais. Je me suis dit, en discutant avec mon associé actuel, mais pourquoi est-ce qu'on ne monte pas une structure, un cabinet, et, euh, et pourquoi est-ce qu'on ne va pas dans le ring, en fait, pour combattre? Et, euh, et je pense que progressivement ma mentalité s'est façonnée. Et là, je me suis dit mais pourquoi est-ce que je suis chrétien Et comme je l'ai dit, je suis pasteur. À ce moment, je n'étais pas pasteur, mais j'étais déjà chrétien. Et je me suis dit mais euh, 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 je, je dis que je sers un Dieu qui peut tout. Et euh, mais pour autant, c'est comme si c'est un Dieu qui peut tout, mais sauf dans le domaine des finances en Europe. Et donc là, je me suis dit non, c'est l'occasion de démontrer que Dieu peut tout. Et c'est ma foi également qui m'a porté. Voilà, qui m'a porté et qui m'a permis de commencer à bâtir. Là, je me suis dit, même s'il y a des côtes, il y a des, il, y a, il y a des obstacles, il y a des limites, c'est possible de les franchir avec Dieu. Et, euh, et uh, ça, c'était la seconde étape. Quand on a lancé la structure, euh, j'avoue qu'on avait, euh, on a décidé, puisque je suis euh, associé avec quelqu'un, un Camerounais, qui est plus noir que moi. Donc, euh, donc quand tu Plus le sombre. Vois, <laughs> il est plus sombre, <laughs> il est plus sombre que moi. Et, euh, et donc là je me suis dit là il faut un blanc c'est ce qu'on s'est dit là, une caution, ouais, une, caution, caution voilà, ouais. une caution pour faire aussi l'affaire il fallait un blanc Et, euh, et qui, allait mieux, qui allait mieux passer qui allait mieux passer et nous on allait le mettre en, en avant, avant et nous on allait <laughs> tout derrière c'est la stratégie <laughs> que beaucoup de personnes ici se disent il nous faut un blanc qu'on <laughs> va mettre devant pour, pour gagner les marchés parce que comme c'est un blanc les autres blancs vont lui faire confiance et effectivement ah, ouais. oui. parce que le, le raisonnement il est assez simple c'est de dire que même pour les blancs c'est compliqué souvent ouais. il y a des réseaux il y a des réseaux liés à l'école, il y a des réseaux liés aux familles. Et, et, et là, toi, tu viens d'Afrique. Je tu, 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 tu te crois où, en fait Avec ton accent. <laughs> Avec ton accent, tout, tout ça. <laughs> et, et en plus, plus euh, j'ai fait une, une grande école, mais je n'ai pas fait le, le, la top école. Ouais, donc, ouais. je me suis dit aussi, il faut que je fasse... Euh, donc, du coup, j'ai fait les démarches pour m'inscrire à HEC. Et, pour, euh, avoir et, le, pour le Pour avoir profession. le diplôme, ouais. le réseau et en plus, un blanc. Et, 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 et donc... <laughs> Et, et pendant que, que j'étais en, en train de monter le projet, j'ai eu la conviction que c'était, ça allait être la raison de mon échec. Parce que pour moi, ça allait être comme une béquille qui allait remplacer la main de Dieu dans ma vie. Mmh. J je, je recherchais quelque chose de naturel pour, pour ma pour, pour justifier ta réussite. Ta réussite oui. Oui. Et, et, et donc, je trouve que ça, ça, ça allait moins, ma réussite allait moins être éclatante et inspirante. Ouais. Ouais, on a dit que finalement, c'est le blanc qui a tout fait. Ouais. Donc, non seulement, finalement. Et maintenant, et, maintenant, et maintenant, quel modèle tu allais être Elle oui, dit que ça allait être si vous voulez réussir, trouvez votre blanc. Voilà. <laughs> c'est ce, ce que tu as le coup. Ouais, ouais, effectivement. Et donc, du coup, on n'a pas pris de blanc. Ouais. Et dessus quoi, j'avais eu l'inscription j'avais postulé HEC à HECL et SEC. Euh, J'ai eu les inscriptions et je suis parlé. Mmh. Et, euh, et donc, ça a été très dur, mais pour moi, c'était un combat, en fait. Je m'étais dit, là, je suis dans un combat où je dois démontrer que c'est possible autrement. Et, euh, et donc, on a lancé la structure. On s'est rapproché euh, de d'autres cabinets de conseil plus installés, plus gros, euh, pour présenter ce qu'on projette de faire. Et quand on leur a parlé de nos ambitions, euh, l'associé le, le, de ce cabinet nous a dit, c'est une utopie. Et, euh, et dans son mot m'a marqué parce qu'on avait dit, au bout de un an, on souhaitait être à, je ne sais pas, peut-être 500 000 euros. Au bout de deux ans, être à 1 million, 2 millions. Il m'a dit, mais c'est une utopie. <laughs> un blanc te dit, ouais, ouais, est, il, il, il est dans le boulot avant ouais, toi. Il est dans le boulot avant moi. Et donc, moi, ça m'a plutôt. C'est des types de choses qui me mettent en colère et qui me révoltent. <laughs> okay. Et puisque même me lancer dans l'entrepreneuriat, c'était une colère. Voilà. Une colère de voir que ceux qui ont l'argent, c'est ceux qui euh, ne sont pas intègres. C'est ceux qui euh, ne, ne construisent pas, en fait. Qui veulent juste l'argent pour, euh, pour euh, assouvir un certain nombre de désirs ou impressionner ou dominer sur les autres. Et donc, ça, c'est. De cette colère est partie l'entrepreneuriat et de la discussion avec l'autre est partie une colère qui m'a dit que je dois absolument réussir. Et donc au bout d'un an, je pense qu'on était à 700 000, moins de un an. Euh, six mois, puisqu'on a commencé en septembre. À la fin d'année, on était dit à 700 000. L'année d'après, on était à 1,8 million. Après, 3 millions d'euros. Après 9 millions, et l'année dernière, puisque la boîte a 5 ans, 5 ans a eu 5 ans en mai. Et l'année dernière, euh, 13,6 millions d'euros. Donc, ça montre que c'est possible sans, sans, sans autre blanc. Il n'y a, a toujours pas de blanc. Et sans diplôme associé. Alors, dans tes salariés, c'est très intéressant. Oui. Très, très Déjà, bravo, bravo à ton associé et, et à toi. Euh, mais, euh, c'est très intéressant. Euh, ton associé était dans le même état d'esprit aussi euh, Oui, oui, puisque euh, pour la partie le blanc, pour oui. la partie l'école, je ne sais pas. Okay. Parce que moi, c'est des démarches que j'ai entreprises en solo. Ouais. Euh, mais pour la partie, il nous faut un Mais qu'est-ce qui vous a décidé de ne pas prendre de blanc euh, Moi, c'est une conviction personnelle. Okay. Et je pense que lui, il l'a eu. Je pense même que on, on, je ne lui ai jamais participé. Il va écouter l'émission, il va me dire, mais tu m'as jamais dit ça. Mais on, finalement, on n'a plus, on on plus rediscuté du point. Parce que moi, de mon côté, euh, j'avais la conviction que le fait, c'était euh, décider de ne pas compter sur Dieu. Okay. Donc, j'avais cette conviction. Ça veut pas, je ne suis pas en train de dire qu'il euh, euh, ne faut pas prendre de blanc lorsqu'on est en une société. Ce <laughs> n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas se limiter. Oui. Si, si euh, on doit faire des, des choix stratégiques, euh, il faut les faire en, tein, en tant que choix stratégique. Ça peut être ça, comme ça peut être autre chose. Mais il faut avoir une mentalité de quelqu'un qui va réussir, qui peut réussir. Pas être limité par ce que la société impose. Parce qu'on peut réussir quel que soit le milieu. Alors maintenant toi qui es donc allé faire de la prospection, du coup tu sortais pour aller voir des clients pour pouvoir proposer. Euh ben oui. Comment est-ce que, est que tu as eu le sentiment que euh, euh, le fait que tu sois noir est quelque chose qui était été pris en considération ou au final c'est juste dans ta tête que ce genre de choses pouvait exister euh, je, je dirais que c'est quand même pris en considération, mais au final les gens ont un besoin et ils recherchent une expertise. Voilà, au final c'est ça. Euh, je, ne peux pas dire si. euh, je, je ne peux pas dire que ça n'a jamais été pris en considération au début. Si, certainement, ça a compté, ça, je ne sais même pas, mais je pense que si. Euh, mais je pense que quand on est dans un milieu hostile, euh, déjà, il faut avoir cette mentalité. Le second point du coup, c'est qu'il faut être excellent. Il faut être excellent, il faut faire mieux que les autres. Il faut vraiment apporter de la valeur. Il faut que le client euh, réalise que c'est toi qu'il faut et que ta, ta couleur de peau ne soit plus une problématique parce que tu réponds parfaitement à son besoin et tu le réponds de façon excellente. Tu apportes une réelle valeur au client. Et nous, c'est ce que nous avons. Nous avons décidé de construire une entreprise euh, d'experts qui allait, euh, on ne va dire pas révolutionner le monde du conseil, mais qui allait avoir un positionnement euh, innovant et apporter une réelle valeur à nos, à nos clients. Donc au début, on l'a fait en termes de suivi, en termes de qualité euh, des consultants qu'on proposait, en termes de, de qualité de la relation clientèle, on a mis en place un écosystème qui permettait d'apporter euh, cette valeur, une valeur forte et une valeur qui a été perçue par les clients. Et finalement, notre cabinet de devenu une marque. Et aujourd'hui, euh, je pense que ça ne compte plus pour les clients, puisqu'on est déjà voilà, présent dans presque toutes les banques. Alors, comment tu manifestes de l'excellence dans un secteur dans lequel il y a beaucoup de concurrence et dans lequel on pourrait se dire, il n'y a plus grand-chose à aller chercher comme innovation dans le conseil. Qu'est-ce qu'on veut On veut que la boîte nous propose quelqu'un qui va venir faire le job, et puis qu'il puisse être compétent, et qu'il puisse être là sur le plus long terme possible. Qu'est-ce que toi, tu vas apporter comme euh, notion d'excellence de, 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 là-dedans OK. Euh, effectivement, euh, c'est ça le, le conseil. Euh, euh, mais je pense que nous, ce que nous avons fait, c'est que nous avons étudié. Nous avons étudié le marché. Nous avons étudié euh, ce qui était proposé par les cabinets et on s'est rendu compte que les cabinets se limitaient à la description qui était donnée. Mais il y avait beaucoup plus. Il y avait beaucoup plus, euh, non seulement en termes d'accompagnement, et c'est quelque chose qui est souvent négligé, parce que les personnes vendent souvent un consultant et non une expertise. Et donc nous, ce qu'on vendait, ce n'est finalement pas que le consultant. C'était tout un ensemble de choses et c'était donc l'expertise. Donc le consultant peut être bon, mais c'est tout le cabinet qui vient en backup du consultant. S'il a besoin d'être accompagné, d'être formé, euh, s'il a besoin, euh, euh, quel que soit son besoin, on est là. Et donc, ça se traduisait à travers différents points de mission réguliers que nous faisons. Nous faisons des points quand ils démarrent euh, euh, tous, les, tous les mois. Et après, on peut l'exprimer en fonction de, 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 de ce que le client dira. Et il y a la réactivité pour pouvoir former le consultant sur les besoins ou les outils euh, euh, il, y a, il y a vraiment un accompagnement de proximité qui est, qui est, qui est proposé. Et puis la deuxième des choses, c'est aussi la qualité des consultants qu'on proposait. Il y a beaucoup de consultants, mais il y a peu de consultants experts. Et les consultants experts coûtent cher. Et donc, nous, on a décidé euh, de miser vraiment sur les consultants experts. Et c'est pourquoi, dès le démarrage, nous avons décidé de recruter des consultants. Euh, 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 il y a ce qu'on appelle le recrutement sur profil il y a ce qu'on appelle le recrutement sur mission. Tout à fait. Sur profil veut dire que je prends le consultant sans qu'il n'y ait de mission et je paye un salaire au consultant jusqu'à lui trouver une mission. Oui. Sub-mission veut dire que je te positionne quand ça marche, c'est où je te recrute. Sauf que lorsque je recrute sur mission, je vais me retrouver souvent avec des consultants qui ne sont pas si excellent. Ouais, ceux qui sont sur le marché. Ouais, ceux ouais. qui sont sur le marché. Alors que quand je recrute sur profil, j'ai le temps de qualifier le consultant et de me rassurer de la qualité du consultant que je recrute. Et donc nous avons décidé de faire le pari dès le début de recruter uniquement sur profil. Et donc nos, pro, nos consultants étaient que des gros calibres. Et le troisième point, c'est au niveau de la formation, nous avons décidé d'accompagner et de bien former nos consultants et pour qu'il développe une réelle expertise. Et je pense que cette différence s'est vite perçue. Et en 2021, c'est-à-dire puisqu'on a créé le cabinet en 2017, on va dire trois ans et demi après la création du cabinet, on a reçu de la Société Générale le prix du meilleur cabinet côté conseil en, au sein des départements risques. Et meilleur cabinet en termes de qualité de consultants et en termes de nombre de consultants positionnés. Parce qu'on était le cabinet le plus représenté dans tout. Euh, le département risque de la Société Générale. Et donc, ça, ça n'a été plus que ça, ça, a été, ça a été possible pour un jeune cabinet, euh, parce que nous avons décidé de faire mieux que les autres et d'apporter une réelle expertise. Et de l'autre côté, comment un jeune cabinet fait pour convaincre des experts de le rejoindre ah, Sans mission. Ouais, sans mission. <laughs> tu veux bien, mais qu'est-ce que tu dois dire Effectivement, c'est compliqué. Ça veut dire qu'il faut pouvoir vendre, on va dire, pas vendre du rêve. Mais ben vendre une vision. Ouais. Voilà, vendre une vision. Et les premiers consultants qui nous ont rejoints, c'est parce qu'on leur a vendu une vision. Et, euh, et donc, ils ont cru en nous. Ils ont cru au projet que nous avons décidé de faire. Et, euh, et ils nous ont rejoints. Et, euh, et on n'a pas. Et on a, on a, je pense qu'ils ne regrettent pas, en tout cas. Et au sein de notre cabinet, l'une de nos forces, c'est qu'on euh, a très peu de turnover. Donc, les, les consultants, pas, pas beaucoup. Pourquoi? Parce que, parce que nous avons compris dans la manière, dans le modèle d'affaires que nous avons développé, nous construisons. Et les gens n'aiment pas ou disent souvent que c'est du pipeau, mais nous essayons de construire une famille. Ça veut dire qu'on s'investit dans la vie des personnes au-delà de leurs besoins professionnels. Donc, il y a des personnes qui peuvent avoir des besoins naturels, des besoins personnels, qui nous sollicitent et on s'investit. On peut faire des avances, on peut faire des crédits, des prêts. On peut même, une fois mon associé, aller avec quelqu'un pour trouver un logement. <laughs> Donc, on s'est investi vraiment pour construire une famille et également au niveau de la redistribution des gains. Donc, l'idée, c'est pas nous sommes là-haut, on se fait beaucoup, beaucoup d'argent, mais on essaie vraiment de reventiler cela de manière équitable dans la structure. Donc, c'est cette approche-là, cette approche équitable, ce projet. D'entreprise, cette aventure humaine que nous avons décidé de construire et les premiers consultants ont cru en nous et, euh, et ils se sont engagés. En tant que parents, on se sacrifie toujours pour ses enfants, on veut toujours le meilleur pour eux et c'est extrêmement difficile. Quand il arrive le moment de les envoyer ailleurs pour faire leurs études, parce que justement, on veut qu'ils réussissent encore mieux que nous-mêmes, tout cela est source d'angoisse pour nous les parents. On se pose toujours la question. Comment ils vont s'en sortir Et puis nous-mêmes en tant que parents, comment on va faire pour les accompagner au mieux Et c'est toujours pour cela que c'est bien d'avoir une entreprise comme Studeli qui est là pour nous accompagner, qui est là pour nous soutenir et en qui on peut faire confiance c est extrêmement important. Et aujourd'hui vous êtes en train de, de continuer de bâtir votre, votre chemin et euh, vous n'êtes pas tenté, j'imagine, de, de vendre, parce que je sais que dans le domaine du conseil, quand on atteint un certain palier, on a forcément des offres de rachat. Oui, oui, on a, on a été déjà sollicité à plusieurs reprises pour, pour vendre, mais là, on se dit qu'on peut encore pousser, on peut encore pousser, on peut encore grandir. Là, actuellement, on a 80 collaborateurs, euh, mais il y a encore moyen. Il y a beaucoup de poches qu'on n'a pas exploitées. Euh, il y a une structuration qu'on n'avait pas, puisqu'on était en mode familial. Euh, beaucoup d'entreprises de notre taille euh, sont beaucoup plus structurées que nous. Nous, on n'avait pas cette structure-là et on est où on est. Donc, en amenant un peu plus de structure, ce qu'on est en train de faire depuis, quelques, depuis deux ans déjà, et en, et en allant chercher euh, plusieurs poches, par exemple, on n'est pas dans le domaine de l'assurance, on est uniquement euh, focalisé euh, métier bancaire, mais pas IT, système d'information. Donc, il y a plusieurs... Euh, 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 niches qui ne seront pas exploitées. Et je pense que notre ambition, c'est de pousser. Et quand on se dira qu'on est arrivé à, à, au bout de ce qu'on voulait faire à ce moment, pourquoi pas, après, c'est à voir. Mais pour okay. le moment, on, on y croit encore. Donc, on est là. Très bien. Bravo, en tout cas. Revenons donc euh, euh, aux éléments que tu considères comme étant euh, déterminants pour réussir. On a commencé par le mindset. Je peux euh, résumer oui. ça comme ça. Oui. Ensuite, tu as dit que le deuxième pilier, c'était qu'il fallait être excellent dans ce que l'on faisait. Oui, il fallait être excellent. Et je dirais même, avant même l'excellence, le deuxième pilier, moi je parlerais de, euh, de rechercher, discerner et saisir les opportunités. Je pense que euh, très souvent, on ne recherche pas. On ne recherche pas les opportunités parce qu'on est en nous. On est en nous. Et, et, et que ce soit même un salarié qui veut, qui veut franchir des paliers, souvent, euh, ce qu'on propose, c'est qu'on est technique. On ne bâtit pas de relations, de réseaux. On ne, on ne, euh, par exemple, une chose simple que mon associé euh, avait fait quand lui, il, était, euh, il était salarié, c'est d'envoyer un mail au top management pour lui dire Est-ce que je peux déjeuner avec toi Et si vous faites ça, vous allez rendre compte que la plupart, le directeur général, va vous inviter à déjeuner. Voilà. Pourquoi Parce que finalement, c'est beaucoup plus facile de pouvoir échanger avec le top management, avec des personnes. Euh, euh, qui ont des besoins et qui, et qui peuvent euh, euh, justement souscrire à, 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 votre, à votre offre, il y, y a beaucoup plus que ce qu'on ne croit. Mais le problème, c'est que souvent, on ne recherche pas. Enfin, on est juste limité à ce qui peut venir à nous, mais on ne recherche pas en bâtissant des relations, en créant un réseau, pas qu'avec des Africains, en essayant, en, 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 tu, tout à l'heure, tu as parlé de tout ce qui est côte, voilà, tout ce qui est code, il faut également, il faut également tout cela. Et, euh, et donc, il faut rechercher des opportunités. Une fois qu'on a recherché les opportunités, on les dessine et on les saisit. Voilà, on y va, on passe à l'action. On, on, on ne rêve pas, quoi. On ne rêve pas. On, ne, on passe à l'action, véritablement. Et, euh, et puis la troisième chose, effectivement, une fois qu'on est passé à l'action, il faut être excellent. Il ne faut pas être médiocre. Et l'excellence, ce n'est pas juste d'un point de vue technique. L'excellence, c'est un ensemble de choses. Et donc, il faut être excellent à tout, à tout point de vue. Et, euh, et donc, et l'excellence permet vraiment de se démarquer et de se distinguer même en milieu hostile. Et puis moi, la, la quatrième des choses euh, euh, que j'évoquerai, c'est qu'il faut être l'ouverture. Voilà, c'est l'ouverture. Et l'ouverture, c'est de comprendre que l'autre peut nous apprendre. On peut passer d'un point A à un point B. La plupart des entrepreneurs que nous connaissons aujourd'hui, quand tu vois le créateur de Facebook, Aujourd'hui, c'est ce mec, beaucoup d'assurance. Pourtant, il y a 10 ans, il parlait comme un bras cassé. Quoi. Pourquoi? Parce que euh, ce sont des personnes qui sont ouvertes, qui ont appris et qui, sont, et qui, et qui ont été transformées. Et donc, je pense qu'on peut s'ouvrir par la formation. On peut s'ouvrir en côtoyant d'autres personnes. On peut vraiment euh, ne pas avoir des idées euh, déjà préconçues, euh, essayer d'être figé dans ce qu'on croit mais vraiment s'ouvrir voilà, il faut s'ouvrir il faut s'ouvrir euh, l'ouverture est importante et le dernier point c'est finalement voilà, la persévérance voilà, parce que voilà, ce n'est toujours pas c'est pas toujours facile c'est pas toujours évident mais ceux qui réussissent c'est ceux qui vont au bout de ce qu'ils ont comme vision de tout à l'heure on parlait en off justement et on parlait un peu de ça pourquoi donc parce que les quatre points que tu as cités on a des gens qui font ça on a des oui. gens qui qui saisissent des opportunités, des gens qui se lancent, des gens qui foncent, des gens qui sont excellents, ils sont bons dans, 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 dans ce qu'ils font, euh, et ça ne marche pas. Oui. <laughs> pourquoi Non, mais bon. Et des... qu'est-ce qu'il qu faut faire <laughs> ouais, Déjà, en tant qu'entrepreneur, tu le sais, il y a ce qu'on maîtrise et ce qu'on ne maîtrise pas. Oui. Voilà, donc, euh, a... c'est pourquoi il n'y a pas de recette miracle. Voilà, souvent, il y a. Il y a... Quelqu'un va te dire cinq clés et c'est sûr tu vas tu vas tu vas tout éclater. Ça c'est juste loin de l'illusion. Après il faut être préparé. Il faut être, donc il y a ce qu'on maîtrise ce qu'on maîtrise il faut le faire. Il faut le faire. Et puis ce qu'on ne maîtrise pas euh, c'est ce que d'autres appellent la chance et c'est ce que moi j'appelle la grâce. Voilà c'est ce que moi j'appelle la grâce. Et, euh, et donc en tant que chrétien euh, je pense que la Bible dit que Dieu fait pleuvoir euh, ses bénédictions sur les bons comme sur les méchants. Je pense que même les méchants réussissent à cause de la grâce. Bien sûr. Oui. Et, donc, et donc, nous, nous euh, qui, euh, qui, euh, qui avons un bon cœur et qui voulons faire des choses bien, nous avons également besoin de ces grâces-là. Donc, si quelqu'un a tout fait, s'est formé, est ouvert, est persévérant, excellent, a créé un réseau, travaille bien, euh, là, il faut qu'il demande la grâce de Dieu. <laughs> non, mais c'est intéressant parce que. Euh, euh, je, je trouve qu'on a, de, 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 a peu de personnes, moi je trouve, hein, peut-être peut que toi tu, tu diverges de moi là-dessus, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes qui se lancent. Je trouve que la plupart des personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat ici l'ont fait de manière purement hasardeuse, au gré des circonstances, ce n'était pas leur plan de départ, euh, et, euh, et puis que ça nous dessert. Parce qu'on a des, des, des gens qui sont très bons, et comme tu l'as dit, ils vont dans un environnement qui peut être même parfois plus hostile au pays, et réussissent même là-bas, alors qu'ici, avec bien moins d'abnégation, ils auraient pu réussir. Alors c'est vrai que maintenant, euh, pour travailler aussi en Europe, il faut le dire, les domaines sont beaucoup plus saturés, il faut être dans un domaine de niche, un domaine qui va demander une expertise bien précise ou une technologie bien particulière, ainsi de suite. Donc on est effectivement dans un environnement dans lequel. C'est de plus en plus sélectif, mais même dans ce domaine-là, il y a beaucoup d'Africains qui travaillent dans, dans, dans ton domaine, dans, même dans l'intelligence artificielle. On a beaucoup de gens qui travaillent, mais ce que je constate, c'est que il n'y a pas, il n'y a pas la volonté de. On, on te dit aussi, par exemple, parfois que euh, c'est aussi parce que les gens, ne, les Africains n'aiment pas travailler ensemble. Est-ce que tu as déjà entendu ça Parce que par exemple, il y a des ouais. domaines dans lesquels tu te dis, mais euh, pourquoi on n'a pas, euh, par exemple, en France, on a un domaine comme les avocats. Pourquoi on n'a pas aujourd'hui Beaucoup de, 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 de cabinets d'élite qui sont tenus par des gens de la diaspora. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Et je prends les avocats, tu peux prendre les médecins. Pourquoi tu n'as pas des de, de cliniques dans lesquelles tu vas te dire mais voilà une clinique qui est détenue par euh, euh, trois, trois Africains, une vraie clinique d'élite Pourquoi pas Déjà, je suis allé en Allemagne, par exemple, rencontrer euh, euh, Georges Mengwe, qui lui est euh, chirurgien, dentiste là-bas, qui a son propre cabinet, il est son propre patron. Ça fait plaisir. Tu vois, tu arrives dans un cabinet, il a quoi Il a une douzaine de, de, de collaborateurs, tous blancs, tous blancs. Il, il est le seul noir dans, 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 dans toute cette masse-là, et ça se passe très bien. Il gère très bien son, son cabinet. Mais des comme lui, il y en a pas beaucoup. Alors que les études qu'il a faites, d'autres ont pu les faire. Ouais. Tu vois euh, Et tout ça fait que je me dis, mais euh, ok, on peut faire un truc. Là, vous l'avez fait à deux, c'est déjà pas mal. Mais il y a d'autres secteurs dans lesquels, si les gens se mettaient à quatre, cinq, ils pourraient faire des choses plus grandes. Pourquoi, à ton avis, ces associations ne se font pas. C'est compliqué. Là, on va rentrer dans trouver le bon associé, le livre que j'ai écrit. Euh, et, et pourtant, l'association, c'est une force. Je pense que c'est pour plusieurs raisons. Déjà, l'association, c'est quelque chose d'important, mais c'est quelque chose également de difficile. Euh, c'est difficile parce que lorsqu'on s'associe, on décide finalement de perdre une partie du pouvoir. On décide de pouvoir s'ouvrir à l'autre et d'accepter ce que l'autre pense. On décide euh, de perdre aussi une partie de liberté. C'est un peu comme un mariage. Et, euh, et on décide de perdre aussi une partie du gain. Voilà. Et, euh, et puis finalement, peut-être une partie du prestige. Voilà. Donc on décide de perdre un certain nombre de choses. Et peu de personnes, euh, les, les personnes généralement sont focalisées dessus et, et, et passent à côté de la richesse de l'association. Moi, je crois beaucoup à la puissance de l'association. Et je pense même qu'un projet bancal, deux personnes qui s'associent et qui sont en accord, peuvent faire de ce projet un franc succès. Et, euh, et donc pourquoi Parce que l'association euh, comme tu le disais, c'est vraiment hyper riche parce que c'est au-delà même simplement de la complémentarité je pense qu'il y, y a une vérité spirituelle derrière l'association parce que deux personnes qui s'associent quand tu vois par exemple un couple une, un couple, euh, si tu prends un, un individu qui est bien, qui euh, est, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui a beaucoup d'argent qui est riche, il ne peut pas faire un enfant tout seul mais deux personnes faibles, nues Vois, qui n'ont qui rien voilà, peuvent faire un enfant seul. C'est comme pour dire que de, de la force peut ne rien sortir, mais de deux faiblesses peuvent sortir quelque chose de puissant. Donc je crois vraiment qu'il y a une puissance dans le fait de se mettre ensemble déjà euh, d'un point de vue spirituel. Maintenant d'un point de vue euh, purement, purement naturel, euh, il y a également une puissance parce que c'est une partage de points de vue. Je pense que euh, je ne pense qu'il n'y a pas de super héros, quelqu'un qui maîtrise tout, quelqu'un qui a toutes les qualités qu'il faut pour réussir. Euh, je pense que il y a des qualités que nous n'avons pas et qui sont utiles pour pouvoir soit réussir ou soit faire ce est, nos projets. Et le fait de s'associer avec quelqu'un d'autre permet de compléter en fait ce que nous n'avons pas et ça permet à l'entreprise de pouvoir euh, euh, passer des, des paliers, des paliers conséquents. Mon associé, moi par exemple, on est différent. On est différents, euh, pourtant, tous les deux, on est de bons entrepreneurs. Mais on est deux entrepreneurs complètement différents. Et on connaît chacun sa force et, 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 et on connaît également nos faiblesses. Ce qui fait que, comment on sait qu'on ne réussit pas avec les faiblesses Parce que souvent, on a tendance à se dire qu'on va travailler nos faiblesses jusqu'à ce que nos faiblesses nous portent au succès. Mais c'est faux. Nos faiblesses ne nous porteront pas au succès. On doit travailler les faiblesses pour que les faiblesses ne soient pas un handicap. Mais on doit beaucoup plus travailler les forces. Parce que ce sont les forces qui vont nous distinguer. Si Messi avait passé son temps à travailler au basket, <laughs> il devait être un inconnu. Mais pourtant, s'il avait travaillé euh, comme il a travaillé le foot, voilà, maintenant il est excellent, il est connu. Et pourtant, à côté, il ne sait pas faire beaucoup de choses. Euh, donc, c'est ça. Et, et, et c'est ça la richesse, en fait. C'est que finalement, il y a plusieurs forces au service du projet. Et ça, et c'est ce qui euh, euh, permet, permet justement de pouvoir euh, euh, réussir et entreprendre. Donc, moi, je pense, je, je suis de, de ton avis. Je vois très peu d'afro euh, qui, qui, qui se mettent ensemble, mais c'est surtout parce qu'ils n'ont pas compris la puissance qu'il y a dans l'association. Ils n'ont pas compris la richesse qu'il y a dans l'association. Et, euh, et, et je pense qu'ils devraient. Mais il y a beaucoup de méfiance euh... aussi. Ouais, a... de... Après, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Parfois, les gens ont des attitudes par vécu, c'est-à-dire que. Tu as essayé de t'associer et tu as vu ce que ça a donné. Ouais. Et malheureusement, on a tendance à, quand on a eu, quand, tu sais ce qu'on dit, quand, quand le, le, je crois c'est quand le serpent te mord, te mord oui. tu as peur du mille pattes. Oui. Parce que voilà, tout ce qui prend la forme d'un serpent te fait peur. Et donc, quand on a été effectivement dans une première fois dans une association qui a été mauvaise, plutôt que de constater que c'est parce que j'ai fait le choix du ou des mauvais partenaires, on a tendance à généraliser et à dire, de toute façon, je ne me mets plus en association parce que ça va mal se passer ainsi de suite. Ouais. Et c'est dommage parce qu'effectivement comme tu le dis on se prive mais euh, c'est un constat en tout cas. Aujourd'hui dans notre communauté, il y a beaucoup de gens qui sont fort seuls de leur côté, c'est-à-dire que très bon avocat, très bon médecin, très bon tout ce que tu veux euh, mais il n'y a pas d'impact ou très ouais. peu d'impact. Ouais. Parce que bien évidemment euh, un bout de bois tout seul, c'est si un tu en mets 10 ensemble ils peuvent te brûler une cocotte minutes. Ouais, parce clair. que c'est c'est le c'est le le, le, le le leur réunion qui donne un feu, qui, qui est ardent. Et moi, j'ai le sentiment que dans notre communauté aujourd'hui, malheureusement, on a quelques individus comme ça, qui sont forts individuellement, mais qui ensemble ne travaillent pas beaucoup. Je vais terminer là-dessus en te donnant un exemple, et tu me diras ce que toi tu en penses. J'avais suivi un, une vidéo il y a beaucoup d'années maintenant qui m'avait beaucoup marqué, qui expliquait le, le succès des juifs, dans laquelle euh, la, la personne expliquait, si il, il se basait sur euh, la Torah, donc l'Ancien Testament, pour expliquer comment est-ce que les juifs conçoivent le business. Et il expliquait que quand un juif vient quelque part, bien évidemment, d'abord il va voir d'autres juifs pour pouvoir voir ce qu'ils font. Et quand il veut se lancer dans le business, il a toujours la logique de la complémentarité. C'est-à-dire que quand il vient, il trouve que son frère est par exemple plombier. Il va lui demander, qu'est-ce que tu as l'habitude d'acheter J'achète des tubes, j'achète euh, du sanitaire, j'achète, j'achète, j'achète. OK. Il va devenir un des prestataires de son frère. C'est-à-dire que plutôt que d'aller acheter à gauche, à droite, tu vas acheter le sanitaire désormais chez moi. Parce que je vois que tu, passes beaucoup de, tu mets beaucoup d'argent là-dedans. Lui, quand quelqu'un d'autre va venir, il va venir lui demander, mais vous faites quoi Oh, moi je fais dans la plomberie. Moi je fais dans l'approvisionnement du matériel de plomberie. Ainsi de suite. C'est-à-dire que celui qui est dans la plomberie, mais toi, où est-ce que tu achètes tes sanitaires Oh, euh, je fais fabriquer ça à tel endroit. « Ok, d'accord, je, je veux ouvrir une usine qui fabrique le sanitaire. » Tu vois ce que je veux dire Complémentaire. L'un qui fait la plomberie, il achète. C'est celui qui lui donne le sanitaire. Celui qui fait le sanitaire, achète. C'est celui qui produit le sanitaire. Celui qui produit le sanitaire va acheter la matière première, quelque part. Peut-être, je ne sais pas, moi. Cette matière première, un autre juif va venir la faire. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est ce qui fait qu'on a finalement l'adage qui dit que l'argent dans la communauté juive tourne beaucoup. Ce n'est pas que l'argent tourne beaucoup parce que je prends et, <laughs> et je donne à mon ami juif, non c'est parce que dans le business, ils ont créé un système qui fait que, en réalité, quand j'ai de l'argent, je, je paye une prestation chez un frère juif, chez une sœur juive, et elle à son tour paye chez quelqu'un d'autre. C'est ça qui fait que l'argent tourne naturellement. En fait, c'est pas juste que c'est parce qu'ils s'aiment et, et cette logique-là va être beaucoup marquée, la logique de la complémentarité. Parce que quand je regarde notre communauté, c'est la logique de la concurrence. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que nous, dans notre communauté, quand on voit que quelqu'un fait quelque chose. On va venir faire la même chose voilà. que lui. <laughs> Pourquoi lui fait ça Lui croit qu'il est le plus intelligent que lui. On va venir faire la même chose que lui. Et à partir de là, on devient comme des crabes. Parce qu'un marché qui d'abord était petit, puisque c'était le marché, comme d'habitude, le marché des Africains, on ne fait pas d'abord le marché de toute la France, on fait le marché entre Africains. Et bien maintenant on va venir. Tu, et, tu, et tu retrouves ça dans les endroits comme Château Rouge. Tu as 10, 15, 20 restaurants africains, les uns collés aux autres. Tous ciblent la même clientèle. Oui. Et ils sont tous au même endroit et ils font tous la même chose. Ah c'est dommage. <laughs> je pense qu'on peut apprendre ça des Juifs. Mais qu'est-ce que qu qu'est-ce ça t'inspire pour sortir de. Euh, bon pour sortir. De... Moi je pense que euh, je pense qu'il y a une question de maturité aussi de la communauté. Je pense que euh, il faut. Euh... Après, il ne faut pas généraliser, il y a des gens qui sont différents, du coup, il faut travailler avec ceux qui sont différents. Par exemple, moi, euh, au niveau du cabinet, on avait approché des Africains qui sont managers et on s'est rendu compte que c'est ceux-ci qu'il ne fallait pas compter. <laughs> Mais en revanche, on a un manager avec qui on travaille, qui est directeur dans une des banques et, et qui, euh, et qui euh, nous donne, quand il a des besoins, il nous sollicite. Voilà, pas parce que ah africaine. tu veux dire que vous êtes allé voir des ma des, des managers oui, africains dans des entreprises, dans où des leur entreprises dans des proposer pour proposer vos prestations oui, oui, complémentarité et, et vous que... ah ben non là <laughs> c'est moi qui je vais t'enrichir <laughs> ça c'est la mentalité hein. bizarrement ouais, clairement bizarrement, ouais. donc je partage ton point de vue après il ne te il te ah, fait pas de suite il te fait pas de retour il te et au début bah, te... Bah, on s'est senti un peu baladé, quoi après, aujourd'hui, c'est un peu différent. Donc, ils sentent que, bon, être avec nous, finalement, c'est un avantage parce que demain, on peut les recruter. <laughs> Donc, oui, parce que tu peux les débaucher demain, même. Ouais. Demain, je peux les débaucher. Donc, ils sont un peu plus ouverts. Mais dans tout, tout, tout ça, on a quand même rencontré un manager qui lui était noir, qui avait une certaine position. Et quand il a des besoins, il fait appel à nous. Donc, ça veut dire que malgré la maturité qu'il n'y a pas encore dans la communauté de manière générale. Euh... Il y a des gens qui sont différents et qui sont plus ouverts. Et il faut pas, il faut pas partir euh, euh, des expériences euh, négatives pour euh, euh, pour définir un comportement qu'on aura pour la suite. Il faut toujours essayer de tirer des leçons, mais réaliser qu'il y a toujours des gens qui sont différents et euh, essayer de trouver ces personnes. Et c'est pour ça que moi je crois. Avant, j'ai échoué avec un autre associé, et aujourd'hui avec l'associé avec lequel je suis, c'est l'associé parfait, quoi. Donc on fait tout ensemble. Dès que j'ai une idée. Je pense à lui. Et lui, dès qu'il a une idée, il pense à moi. Et je pourrais même lui confier. Euh, je me rappelle, j'ai failli mourir du Covid. Bon, en, une petite parenthèse. Et avant de mourir, je me suis dit, il faut que je l'appelle pour lui demander de prendre soin de ma famille. Donc, si je pars, qu'il prenne soin de ma famille. Et je pense qu'il peut avoir, il y avoir ce type de personnes qui ont un bon cœur, qui sont intègres, qui sont travailleurs, qui sont excellents, qui ne sont pas médiocres et euh, même dans notre communauté il y a ça. Il faut pas se fermer, il faut s'ouvrir il faut chercher et on finira par trouver le bon associé c'est très bien de, de terminer là dessus parce que tu, tu as, j'aime souvent dire la même chose c'est pas parce que tu as eu une déception amoureuse à 16 ans que l'amour n'existe pas oui. et beaucoup de gens Donc, font ça en fait, c'est à dire que pas. tu as eu une déception quand tu n'avais même pas tellement la maturité que tu as aujourd'hui et c'est la base d'une déception que tu as eu parce que tu as eu une personne qui s'est mal comporté ou deux personnes, tu as décidé que plus jamais. Non. Il faut peut-être être plus rigoureux, c'est si d'accord avec toi, pour ne pas effectivement avoir un accès facile, mais il continue d'y avoir des personnes ouais. euh, fiables, valables dans, dans la communauté, quand c'est quelque chose que l'on porte soi-même comme, euh, ouais. comme, euh, comme valeur. Enfin. Alors, on arrive au terme de cette interview. Est-ce que tu, je, je te laisse le, le, le mot de la fin. Déjà, avant ça. Où est-ce qu'on te trouve Parce que maintenant, tu es sur les réseaux aussi. Ah oui, maintenant, je suis sur les réseaux. <laughs> en fait, je suis sur les réseaux en 2020. Oui. Depuis 2020. Euh, euh, mais après, j'ai arrêté, je me suis coupé des réseaux parce que ce n'est pas quelque chose de naturel. Ouais. pas facile, hein <laughs> C'est pas facile, je suis très occupé, quoi. Je veux être pasteur, il faut être euh, marié et, et père de. de donc, marié à une magnifique épouse et père de trois enfants. Donc, tout ça, ça occupe aussi. Et en plus, il y a, il y a aussi le business qui, qui me prend, il y a toutes les sociétés que je gère. Et, euh, et donc, mais j'ai décidé de partager. J'ai décidé vraiment de partager le peu que je connais euh, parce que je me dis euh, que tout ce que j'ai appris en côtoyant d'autres entrepreneurs, à travers en faisant mes armes, en échouant également, euh, je peux le transmettre. Et euh, donc, je suis à la fois sur euh, Facebook, euh, c'est la page Alain-Patrice N'Galo, N'Galo, euh, entrepreneur coach. Et sur Instagram, c'est Alain, Alain, Patrice voilà, donc Pourquoi entrepreneur coach euh, Pourquoi pas entrepreneur coach <laughs> pourquoi, pourquoi, pourquoi besoin de ce titre euh, euh, Parce que c'est très marqué, finalement, je veux coacher des gens. Euh, donc, l'ambition, c'était de... Euh, J'ai mis entrepreneur avant coach pour dire que je suis un entrepreneur. Qui veut partager son expérience. Okay. Et coaching, parce que l'idée, c'est vraiment, je ne vais pas faire de coaching individuel. Donc, ça ne sert à rien de me contacter individuellement parce que je n'ai pas de temps. Euh, donc, le but, ce n'est pas de, euh, de proposer des offres d'accompagnement individuel Je n'ai pas une équipe euh, pour ça et ce n'est pas l'ambition. Et, euh, et donc, puisque je suis entrepreneur. Mais en revanche, je me sens investi d'une mission. Moi, ma mission, et c'est ce qui m'a amené à entreprendre, c'est que plus de personnes intègres soient riches et puisse faire de bonnes choses en fait euh, j'ai vu trop de personnes riches qui faisaient n'importe quoi et ça ça m'énerve jusqu'aujourd'hui <laughs> et donc et je me dis on est trop seul, en fait à, à avoir l'argent et à, et à pouvoir faire de bonnes choses il faut plus de personnes voilà, qui peuvent créer des orphelinats qui peuvent euh, euh, investir euh, même dans les églises euh, qui peuvent euh, faire faire beaucoup de, de bonnes choses même aider les familles également leurs familles et moins dans euh, dans l'opulence pour être vu pour euh, bah donc euh... sagacité <laughs> et moi dans ça, en tout cas tout ça me révolte et, euh, et donc c'est ce qui a motivé le fait de me mettre sur les réseaux et je compte avoir donc pour moi c'est plus une vocation euh, que qu'une qu entreprise ou l'ambition de euh, de voilà de, de monter une société de coaching quoi. très bien en tout cas je te souhaite beaucoup de succès dans merci. toutes tes entreprises j'espère que cette interview va te donner de la visibilité pour tes ouais, réseaux merci euh, c'est euh, c'est euh, très bien moi j'apprécie beaucoup en tout cas ta, ta trajectoire je sais pas jusqu'où dieu va te mener mais euh, beaucoup beaucoup de courage à toi beaucoup merci, de courage à ta femme merci. à tes enfants euh, à, tes, à ton à ton partenaire ton associé ah, oui. et euh, que vous continuez de, de grimper 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 euh, jusqu'à le... mon église puisque je suis pasteur de... à ton église aussi de église évidemment te, ouais. te, te soutiens dans dans, dans, dans dans tout ce que dans, dans tout, tout ce que vrai. tu fais tu es tu es en belgique à charleroi, à charleroi. Euh, Ville que j'ai découvert, d'ailleurs grâce à toi. Ouais. <laughs> Donc il euh, y, y a pas de souci Alain. Ok beaucoup de courage. Allez. À très bientôt. Ok merci.